Donc voici la deuxième maison près de cet aérodrome où je suis en train de me faire dévorer par les moustiques. Et quand je dis dévorer, c'est un euphémisme. Je ne sais pas si ce soir il ne va pas me manquer beaucoup de viande. Alors j'imagine que ça doit être un peu le lieu de squat, de la jeunesse un peu chébrin de la ville. Voici ce qui reste de cette structure. Pas grand chose. Un lieu plus photogénique que pour la vidéo. Où suis-je? Je suis en Polska, même si on a un peu un drapeau plus croate que Polska. Rouge et blanc, mais avec les cuissons autour, ça fait plutôt croate, mais on est en Pologne, à Lodz. Je suis près d'un aérodrome militaire, enfin il a été militaire, maintenant je ne sais pas s'il est militaire ou s'il est civil. Donc je suis à Lodz, je suis au sud-ouest de Lodz, où vous avez quelques maisons comme cela qui restent abandonnées. Rassurez-vous, les autres maisons que j'ai trouvées, il reste tout, les meubles, les penderies, les vêtements, etc. Surprenant, des vies sous nos yeux qui s'écroulent, qui s'arrêtent. C'est la vie. Voilà, je pense qu'on est dans un après-Covid qui a fait beaucoup de dégâts dans ce pays, hélas. Merci, suivez-moi. Alors, me voici dans une maison près d'un aérodrome ou aéroport complètement abandonné depuis très longtemps. Je pense que ça devait être une construction militaire. Alors pourquoi? Parce que c'est un ancien aérodrome qui était militaire. On ne voit plus rien de la maison, si ce n'est les deux murs latéraux, à droite et à gauche. Bon. On ne va pas faire le tour de la propriété, ça ne sera pas très intéressant. On va regarder s'il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a deux ou trois comme ça dans ce style. Et j'espère que l'autre, il restera au moins à la toiture. Suivez-moi.